Pour les finalistes du primaire, le TENAFEP. Et je suis venu ici, précisément à Goma, pour lancer officiellement, vous donner le go du début des épreuves de TENAFEP sur toute l'étendue du territoire national, mais à partir de Goma. J'ai préféré lancer le TENAFEP à partir de Goma, à la suite de ce qui a eu il n'y a pas longtemps, avec l'éruption volcanique de Nirangongo, qui a eu à affecter des écoles, qui a eu à affecter aussi des élèves. Et pour compatir avec eux, j'ai préféré descendre ici, vivre moi-même la situation de visu, parce que depuis que ça s'est passé, je n'avais jamais foulé les pieds ici. Et j'ai voulu qu'à l'occasion de ces épreuves de TENAFEP, que je vienne moi-même pour compatir avec les élèves et lancer le début de ces épreuves à partir d'ici. C'est ce qui justifie ma présence ici. Vous avez reçu à Kinshasa des délégations, des enseignants de Goma. Est-ce que leurs problèmes aussi pourront avoir des solutions avec votre visite à Goma aujourd'hui? Les problèmes des enseignants qui m'ont été présentés par la délégation syndicale à partir de Kinshasa, je vous avoue que ce sont des problèmes qui sont également signalés dans les autres provinces éducationnelles. Je peux vous assurer que nous sommes en train d'y travailler et depuis que je suis à la tête du ministère, on est en train de régler progressivement tous les problèmes. Et je sais que principalement il y a la question des NU
ici à Goma, comme partout ailleurs, il y a également la situation de la mécanisation de certains agents et de certaines écoles. Nous sommes en train d'y travailler et soyez rassurés que vous serez surpris des annonces que nous ferons dans les jours qui vont suivre de la prise en charge principalement de NPI. Hier, nous avons lancé la mise en retraite des enseignants avancés en âge qui quittent les fichiers PAYE-CECOPE et qui sont remplacés progressivement également par les NPI. Et comme je suis là, je crois que j'aurai une réunion avec tous les cadres de base pour qu'ils apprêtent également les listes des vrais NPI, pas les NPI fictifs, mais les vrais NPI qui vont effectivement remplacer les enseignants qui sont allés en train d'aller en retraite. Qu'est-ce qui explique la présence de l'honorable Patrick Munyomo dans votre suite? Vous savez que l'honorable Patrick est élu de la ville, donc je ne peux pas venir dans une circonscription électorale qui est la sienne sans se faire accompagner par lui ou se faire accompagner par les autres élus du même coin. Donc c'est ce qui justifie sa présence ici. Mais plus particulièrement pour lui, je sais qu'il avait conduit une délégation syndicale à Kinshasa pour présenter les revendications des enseignants, les problèmes des enseignants. Et déjà à partir de Kinshasa, un travail avait été déjà fait et nous sommes en train de suivre pour que la solution au problème des enseignants, notamment suivi par lui, trouve des solutions. Une question à l'honorable Patrick Munyomo, vous qui êtes... Merci pour la question. Je voulais juste... Je voulais juste rassurer à toute la population du Nord Kivu, en particulier la population de la ville de Goma, que nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que les enseignants du Nord Kivu puissent se retrouver dans leurs droits. Les gens pensaient qu'on était en train de faire du populisme. Quand j'ai pris l'initiative, bien sûr, à travers les revendications des syndicalistes enseignants du Nord Kivu, pour que nous ayons ensemble à Kinshasa rencontré les autorités. C'était une chose faite parce que, au niveau de Kinshasa, le ministre de l'EPSP aujourd'hui à Goma nous a reçu et bien sûr, comme il vient de le dire aujourd'hui, il nous avait promis que désormais les NI, les enseignants non payés, les écoles qui n'ont pas d'arrêté seront prises en charge par l'État congolais. Avant que j'intervienne ici, vous venez de suivre lui-même le ministre national, son excellence Tony Mwamba, qui vient de vous éclaircir en disant effectivement qu'il avait reçu les problèmes de l'enseignement du Nord Kivu. Et nos problèmes ont trouvé solution. L'excellence est là. Ce n'est plus à revenir au problème des NI, à revenir au problème des enseignants non payés, à revenir aux écoles qui fonctionnent dans les bons et dits formes mais qui n'ont pas d'arrêté. Ce n'est plus ce moment parce que c'est dépassé. Le ministre est en train déjà de nous mettre en ordre. Maintenant, c'est le moment de chercher ce qu'on n'a pas déposé à Kinshasa. Le ministre là ne lui rappelle plus les NI seront payés comment. Non, il vient de vous le dire aujourd'hui que c'est dans les pipelines. Donc d'ici là, vous allez voir que tout le monde sera payé et nous allons commencer à respecter nos enseignants. C'est ce que moi je pouvais faire parce que les enseignants sont venus me voir et on a trouvé solution. Le ministre à Kinshasa m'a dit, honorable Patrick Munyomo, je voulais lancer ce processus de nouvelles unités à Kinshasa, par exemple.
ou au Bandundu. Mais il m'a dit, parce que j'ai vu que les enfants du Nord qui vous plaisent, j'ai compris que vous êtes en train de souffrir avec, à cause de l'insécurité. Le volcan ne vous a pas laissé vivre dans la bourgeoisie parce que c'est une ville touristique, il fait beau à Goma. Pour faire plaisir à la population du Nord Kivu, je vais descendre à Goma et je serai avec vous là-bas. C'est comme ça que le ministre est avec nous. Donc moi je voulais juste, pour terminer, vous rassurer que le ministre est là. S'il y a d'autres recommandations à proposer, c'est le moment. Pour les nouvelles unités, pour le paiement des enseignants, pour les écoles qui n'ont pas d'arrêté, c'est dépassé. Bientôt, vous aurez l'arrêté et des notifications. Merci beaucoup. Merci, honorable. Je suis le président provincial de la Force syndicale nationale Fédération du Nord Kivu, la FOSINAT, un syndicat qui défend les intérêts des enseignants des écoles publiques du Nord Kivu. Ce matin, à l'aéroport de Goma, oui, nous sommes ici à l'aéroport international de Goma pour accueillir l'excellence, le premier warrior de l'EPST, M. le ministre Tony Mwaba Kazadi, qui est venu accompagné de notre honorable Patrick Munyomo, qui, vous vous souvenez, nous étions partis à Kinshasa pour une mission de suivi des plaidoyers des enseignants. Et là, nous avons traité plusieurs matières avec le ministre national de l'EPST sous l'accompagnement de l'honorable Patrick Munyomo. Et le ministre trouva la quintessence de nos problèmes. C'est pour cette raison que le ministre avait décidé de venir en province du Nord Kivu lui-même pour venir palper du doigt ces problématiques que nous sommes partis poser à Kinshasa. Et aujourd'hui, le ministre national, comme il sera là, c'est pour cette raison que vous voyez à côté de moi, nous sommes là avec presque la majorité de tous les enseignants du Nord Kivu, membres de la FOSINAT, qui sont venus accueillir chaleureusement notre patron de l'EPST et notre honorable Patrick Munyomo, qui est devenu notre porte-parole à l'EPST Nord Kivu. C'est quoi la situation actuelle dans votre structure? On a vu un certain moment, vous aviez marché ici à Goma pour réclamer les paiements. C'est quoi? Explique-nous, c'est quoi la situation? La situation actuelle est que vous avez vu, depuis que nous avons marché pour la paye des NEI, ceux-là qui ont détourné cet argent qui devrait payer les NEI en faisant passer cet argent au niveau des écoles et agents fictifs sont déjà à Makala. Vous vous souviendrez que l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, est déjà dans la prison centrale de Makala. Vous vous souviendrez que le directeur national du Sekopé, M. Delo Kampai, est déjà à Makala. Vous vous souviendrez que l'inspecteur général de l'EPST est aussi dans la prison centrale de Makala. Pour vous dire, le nouveau ministre ici, qui n'a pas encore réalisé même 6 mois en service, il est là en train de travailler de sorte qu'il veut redonner le sourire aux enseignants. C'est pour cette raison que quand nous avons été à Kinshasa, nous lui avons posé des problèmes. Et c'est pour cette raison, lui, il vient faire le terrain, il vient palper du doigt. Si lui aussi travaillait comme les autres, vous connaissez le régime actuel, il se retrouverait aussi à Makala. Mais comme lui veut travailler de sorte qu'il ne se retrouve à Makala, c'est pourquoi nous aussi, nous venons lui montrer notre attachement à son travail. Le ministre national de l'EPST sera bel et bien ici et nous l'attendons parce qu'il vient avec des solutions. C'est lui la porte, c'est lui la personne qui décide. C'est elle le décideur, c'est pas nous le décideur. Alors c'est cette personnalité que nous venons attendre ici afin que nous puissions pas palper du doigt où est-ce que nous en sommes avec la réalité au niveau de l'EPST. Et là, nous comptons savoir que le ministre n'est pas venu ici en pèlerinage, mais il est venu répondre aux intérêts et aux revendications des enseignants du Nord Kivu, lui-même en personne. On peut dire que la promesse de Pizé Mouyoma est concrétisée. Récemment, vous avez dit qu'il vous a promis de venir à Goma avec le ministre. Toutefois, depuis que nous sommes avec l'honorable Patrick Munyomo, il n'a jamais parlé quelque chose qu'il n'a pas réalisé. La première fois, il nous avait réussi. Il nous avait promis partir avec les techniciens de l'EPST à Kinshasa. Il l'a réalisé. Il
avait dit qu'à Kinshasa, il sera avec nous porte par porte. Et nous avons été avec lui porte par porte. Nous avons travaillé un arrêté de changement de structure de toutes les écoles, presque de la province du Nord-Kivu, pour que les enseignants NEI, parce que c'est ça la clé d'entrer dans la paix au niveau du CECOPE. Ce travail a été fait. Nous avons laissé ce travail dans les signataires du ministre sur les papiers jaunes et l'honorable Patrick Munyomo, avec le ministre devant tous les médias au niveau national. Ils nous ont rassurés. Nous reviendrons nous-mêmes à Goma, dites ça aux camarades. Et maintenant, ils sont ici. Nous venons aussi les remercier pour avoir réalisé leur promesse de venir ici avec les solutions pratiques. C'est moi qui vous remercie. C'est un combattant à Sidi, raison pour laquelle l'UDPS se mobilise pour réserver un accueil chaleureux par rapport à son arrivée. C'est quand même une grande autorité que nous sommes venus l'accueillir ici à l'aéroport de Goma. Vous avez suivi, comme il est d'abord de l'EPC, donc tout ce qui s'est dit par rapport à la gratuité de l'enseignement primaire, surtout dans les écoles publiques, et nous venons soutenir ces efforts du chef de l'État, parce que c'est lui qui est garant de la nation congolaise et puis l'initiateur même de la gratuité de l'enseignement des bases dans les écoles publiques. Et lui, comme étant ministre qui engage cet enseignement-là, voilà pourquoi nous avons dit, l'UDPS ne peut pas rester à l'écart, nous devons venir l'accueillir. La gratuité du président Tshisekedi qui reste aujourd'hui un échec, pourquoi ? Ce n'est pas un échec comme tel, parce que vous savez, cette gratuité, d'abord c'est constitutionnel. Dans son article 43, c'est vraiment constitutionnel. Alors, le problème c'est qu'il y a eu des embûches, il y a eu des couacs, des problèmes. Les gens qui ont, n'est-ce pas, créé des écoles fictives par rapport à cette gratuité, et aussi les enseignants fictifs qui n'étaient pas reconnus par l'État congolais. Alors tous ces gens-là qui bénéficiaient derrière la prime payée par les parents congolais, ils ont construit des maisons, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont eu des véhicules au détriment des citoyens congolais et puis au dos des parents congolais qui donnaient ces primes-là. La raison pour laquelle le chef de l'État, en cherchant à appliquer l'article 43 de notre Constitution, il a voulu appliquer cette gratuité qui est consacrée dans notre loi fondamentale. C'était tout à fait logique. Alors, les gens de mauvaise foi, ce sont eux qui ont voulu manifestement bloquer cette gratuité, notamment des préfets des écoles, notamment des inspecteurs qui ont, n'est-ce pas, créé des écoles fictives et même créé des enseignants fictifs. Et là, je m'en vais aussi dire par rapport à l'Église catholique, parce que nous avons beaucoup d'écoles qui sont conventionnées catholiques, et elles aussi nous ont causé beaucoup de tort. En créant beaucoup d'écoles fictives, beaucoup d'enseignants fictifs, ils ont créé des désordres au sein de cette même gratuité. La raison pour laquelle nous, comme membres de l'UDPS, parti présidentiel, en tout cas, nous ne pouvons que soutenir l'initiative qui vient du chef de l'État pour, n'est-ce pas, prôner cette gratuité, et ça doit aller jusqu'au bout. Et le ministre qui vient aujourd'hui, nous avons un message à lui dire. Il doit faire un effort que, par rapport aux enseignants fictifs. Nous devons savoir le nombre d'enseignants fictifs et le nombre des écoles fictives créées par les gens de mauvaise foi. Les gens qui ne veulent pas avoir Tshisekedi au pouvoir, les gens qui veulent bloquer ses actions politiques. Non, ils sont connus. Ils sont connus, notamment il y a des gens qui se disent opposants aujourd'hui. Ils ne veulent pas voir Tshisekedi réussir sa mission, sa vision politique, parce qu'en 2023, ils auront un discours à donner au peuple congolais. Ils ont voulu bloquer cette machine. Du côté Église catholique, je reviens. Je ne suis pas contre l'Église catholique. Moi, je suis catholique fervent. Mais il y a aussi un comportement à fistiger par rapport au prélat catholique. Rappelez-vous, dès la proclamation du chef de l'État comme du président de la République comme chef de l'État dans ces pays, c'est l'Église catholique qui est montée au créneau en disant
qu'il détenait les PV, démontrant que c'est Fayoulou qui avait gagné les élections. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais prouvé cela. Alors maintenant, ils entrent dans cette histoire de gratuité de l'enseignement primaire pour bloquer volontairement les actions, les initiatives du président de la République. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. Alors, l'arrivée du ministre Kazadi à Goma, je connaissais la situation dans laquelle certains enseignants et certaines écoles fonctionnent. Qu'est-ce que vous attendez de plus avec son arrivée à Goma? Bon, ce que nous attendons du ministre, hein, qu'il puisse, n'est-ce pas, arriver au moins à comprendre le fonctionnement des écoles, et même des enseignants qui ne sont pas payés, des enseignants qui ont le matricule, qui sont reconnus par l'État, mais qui ne sont pas payés. Parce qu'il y a aussi des enseignants fictifs qui ne sont pas reconnus par l'État congolais, mais qui cherchent à avoir, n'est-ce pas, les salaires provenant du pouvoir public. Parce que l'État congolais ne peut payer que les enseignants qui sont reconnus par l'État congolais. On ne peut pas payer les gens qui sont fictifs, non, qui ne sont pas reconnus. Ça ne se fait nulle part au monde. Alors, le ministre arrive, le seul message qu'on va lui donner, c'est de chercher à trouver solution par rapport à tout ce qui se passe dans des écoles créées d'une manière irrégulière, et chercher aussi solution, surtout aux enseignants qui sont reconnus par l'État congolais mais qui ne sont pas payés chaque mois. Question par rapport à la situation politique actuelle. Comment vous analysez la situation actuelle, monsieur Christian? La situation politique autour du pays, par rapport à quelle actualité? Parce qu'il y a beaucoup d'actualités. L'actualité, par exemple, aujourd'hui, il y a des guerres, il y a les tensions qui prennent les partis au pouvoir, vous l'IDPS et l'Église catholique. On a vu certains militants, vos militants de l'IDPS, apprendre à l'Église catholique, par exemple, dans la province de Kassai, à Kinshasa, même chose. Pourquoi cela? Mais écoutez, d'abord, il faut dire une chose ici que. Bien sûr, nous avons tous condamné les actes de vandalisme, les gens qui sont allés attaquer les églises catholiques et même toucher l'archevêché de Kinshasa. On n'a pas été d'accord. Même notre hiérarchie politique au niveau de Kinshasa a aussi condamné cela. Mais la réalité est que, comme il n'y a pas encore des enquêtes qui sont menées pour savoir quels sont les jeunes gens qui sont allés s'attaquer aux églises catholiques, il n'y a pas encore une solution. Alors, il serait plus vite aller en besogne, déjà indexer un parti politique. C'est aberrant. Les premières enquêtes, c'est Tidou, les militaires de l'IDPS. Pas du tout. Manipulés par certains cadres. Pas du tout. Rien ne prouve jusque-là que ce sont les militaires de l'IDPS. Rappelez-vous, lorsque nous avons marché en 2016 pour réclamer des élections en RDC, il y a eu 50-50, donc les CLC 50 et les partis politiques 50, dont la majorité ce sont les combattants de l'IDPS qui se sont manifestés pour que nous ayons des élections en 2018, n'est-ce pas? Et que donc aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve réellement que les gens qui sont allés s'attaquer aux édifices des églises, ce sont des l'IDPS? Il n'y a aucune preuve jusque-là. Parce que l'Union sacrée, en fait, ce n'est pas seulement l'IDPS qui est dans l'Union sacrée. Il y a beaucoup de partis politiques, je peux vous les citer. La FDC est dans l'Union sacrée. L'INC est dans l'Union sacrée. L'ensemble des Moïse Katumbi est dans l'Union sacrée. L'MLC est dans l'Union sacrée. Et puis d'autres partis politiques se retrouvent dans l'Union sacrée, ils font partie de l'Union sacrée. Alors, les gens qui sont allés s'attaquer aux édifices des églises catholiques, qu'est-ce qui prouve que ce sont des élus de paix? Ça peut aussi être les membres des autres partis politiques qui composent l'Union sacrée. Mais pourquoi les gens directement ils indexent l'élu de paix? Non, nous avons senti au fait qu'il y a une machination politique, il y a une intoxication par rapport à l'élu de paix. Parce que nous sommes un parti quand même très important dans les pays. Nous sommes une machine politique. Et c'est nous qui drainons la politique du pays. Et il y a certaines personnes qui sont jalouses de voir l'IDPS gérer le pays. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'ils commencent à créer les mensonges dans des réseaux sociaux. Ils disent n'importe quoi et puis les raisons qui ne sont même pas valables. Alors, et nous on n'a pas peur de ça. Alors, nous sommes politiques et nous y allons mollo mollo. Oui. Monsieur Guiste, est-ce que l'IDPS, vous vous sentez aujourd'hui être mal à l'aise ou bien frustré aujourd'hui des propos du cardinal et surtout sa position aujourd'hui? Mais écoutez, je vous ai dit avant que dès lors que Tshisekedi avait gagné des élections, après la proclamation des résultats,
déjà Fridolin Ambongo avait certains propos qui ne cadraient pas avec les résultats. Parce qu'il disait qu'il détenait le PV démontrant que c'est Fayoulou qui avait gagné les élections. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais montré ce PV-là. Ça c'est de un. De deux, lorsque déjà, avec cette allure, ces propos-là, ça avait déjà commencé. On avait senti la position de l'Église catholique en passant par Ambongo, ces déclarations, multiples déclarations dans des réseaux sociaux, dans des médias. Nous, on comprenait déjà que non, il y a des gens qui ça ne va pas. C'est-à-dire que pour Ambongo, ça je suis clair avec vous, pour Ambongo, ce n'était pas Tshisekedi avec des élections, c'était plutôt Martin Fayoulou. Mais qui n'a jamais démontré le preuve tangible, le preuve palpable. Et c'est-à-dire, il continue avec des déclarations qui sont intempestives. Et là, je n'étais pas d'accord avec M. Labin Cholet. Non, on n'est pas frustré, ça c'est la politique. Et nous, on est politique. On ne peut pas accepter qu'une confession religieuse puisse prendre la politique en otage. Nous, on est politique. Ou soit, on ne s'attaque pas à eux. Nous avons condamné ces actions-là. Ou soit aujourd'hui, qu'ils enlèvent, mais là, leur soutane, qu'ils nous rejoignent et faire la politique ensemble. Parce que ce qui se passe, c'est inacceptable. La même Église catholique, en 2006, ils ont réfuté l'abbé Malou, qui a dirigé la CENI en 2006, qui venait des catholiques, et ils l'ont refusé. En 2011, ils ont rejeté la candidature de M. Ngoï Moulunda. Ils ont refusé. En 2018, la même Église catholique, ils ont refusé la candidature de M. Corneille Nanga. Alors, pouvons-nous continuer dans cette allure-là? Ah non, c'est pas possible. Non, parce que nous voulons. Prendre en charge, c'est ça. On ne se prend pas en charge. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est que l'Église catholique, moi je suis catholique, avec tout le respect que j'ai envers nos prélats catholiques, je les respecte beaucoup. Mais il y a certaines histoires, certains comportements qui ne rassurent pas la démocratie dans les pays. Alors, nous sommes en train d'envisager ceci, que prochainement, qu'il faut qu'on change la modalité de la désignation des présidents de la CENI. Qu'ils ne puissent plus sortir des confessions religieuses. Parce qu'ils ont montré leurs limites, ils ont montré leur incapacité totale à pouvoir désigner un président de la CENI. Pour vous, par exemple, ce sont quand même des prélats catholiques, des protestants, qui nous prennent la bonne nouvelle chaque jour. Mais comment ils n'arrivent pas à s'entendre pour désigner une seule personne pour diriger la CENI? La CENCO avait son candidat qui s'appelle Ebokoto, un équatorien. Le SCC avait aussi leur candidat. Les Kimbanguistes avaient aussi leur candidat. Alors on a pesé par rapport au CV. Les CV de Kadima, par exemple, c'est un CV riche. C'est un expert en matière électorale internationale. Proche de l'IDPS. Il a l'expertise. Pas du tout. Et les gens qui disent comme ça qu'il est proche de l'IDPS, je m'en moque beaucoup. Tout simplement parce qu'on dit non, c'était Moulouba de Kassai oriental, chef de l'État, Moulouba de Kassai. C'est là où il y a un problème. Mais en réalité, c'est un messier qui n'est même pas de l'IDPS, qui n'est même pas proche de Tshisekedi. Ça, je vous assure. Ce qui blesse, c'est quoi? Parce qu'on dit, comme il est, n'est-ce pas, un Louba du Kassai, alors il ne peut pas être le président de la CENI. Pendant que si les 8 confessions religieuses, 6 ont voté contre 2, c'est déjà un large consensus. C'est déjà une majorité absolue. Mais pourquoi les gens ne veulent pas accepter cela? C'est pas correct, ça. Et nous, en tout cas, nous attendons tous la dernière décision du chef de l'État. Et c'est lui qui va, n'est-ce pas, investir Denis Kadima pour prendre la tête de la CENI. Non, il ne peut pas s'imposer. Je sais qu'il y a eu le choix des confessions religieuses, ils ont choisi. Parce qu'on parle de consensus. Lisez bien la charte qui régit, n'est-ce pas, les confessions religieuses. La charte veut dire que c'est l'ensemble des lois et des règles fondamentales, n'est-ce pas, et d'une organisation officielle qui doit respecter cette charte-là. On dit en dehors du consensus, c'est-à-dire s'ils ne s'entendent pas
on passe par les votes, n'est-ce pas? On passe par les votes. Maintenant, attendons de voir ce qui va arriver. Ce qui choque nos amis les catholiques, c'est quoi? Parce que leur candidat n'est pas passé. Voilà la réalité des choses. Et nous, on ne peut pas rester cloués parce qu'il y a une certaine église qui conteste la personne désignée par la plupart des confessions religieuses. On ne peut pas être d'accord avec ça. Alors, merci, Augustin Capilla. C'est moi qui vous remercie d'avoir été.